Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus est dans un homme. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus est dans un homme. Dans l'éternité, les grands dieux incréés avait pris la forme de la colonne de feu. Et il avait parlé d'une voix autoritaire. Que la lumière soit, et la lumière fut. Les années sont passées, le temps s'est écoulé. Et la grâce tomba sur la Vierge Marie. Et elle a mis au monde, sans avoir connu d'homme, l'ombre du Saint-Esprit créa la cellule du sang. Et la divinité qui était là au ciel a été déversée dans le bébé Jésus. Et à quelques minutes de la naissance de Jésus, la grande colonne de feu était descendue, oh, pour accueillir les grands dons divins. Alors que les hommes étaient tous distraits, mais les rouges gorges ont saisi la vision et se sont rassemblés pour accueillir les rois. Car les grands dieux du ciel qui les avaient créés étaient venus sur terre dans la simplicité. Oh la divinité, oh, dit Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus est dans un homme. Jésus s'était mis en marche, c'était tout le ciel qui était sur terre. Quand il s'était tenu devant la tombe de Lazare, c'était Dieu le Père devant la tombe de Lazare. Et la même voix qui créa l'humanité, que la lumière soit, que la lumière soit, a encore parlé devant une foule de gens. En cette tombe Jésus, Lazare sort de la tombe. Quand cette femme, à la perte de sang, a vu la divinité se promener sur terre, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement à toucher son vêtement, moi je serais guéri. Et quand elle a touché, Jésus s'est écrié, oh, oh, qui m'a touché, car la vertu m'a guidé. Quand tu crois mon frère, ta foi bouge Dieu. Quand tu crois ma soeur, tu fais bouger Dieu. Et quand tu dis un mot, le ciel dit amen. Car c'est la foi qui met Dieu en scène. Oh la divinité, oh, dit Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, dit Seigneur Jésus est dans un homme. Et encore une fois, les années sont passées, le temps s'est écoulé, oh, 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 gloire à Dieu. Cette même divinité qui rendait Jésus Dieu a été déversée en William Branham, la grande colonne de feu, oh, oh, en William Branham, les 6600 volts, en William Branham, toute la gloire de Dieu, en William Branham. Donc Dieu a fini sa course en William Branham. Braname, Braname, yeah. Kwani kwa jikinga munu zambi mumutwe. Braname, Braname, yeah. Kwani kwa jikinga munu zambi mumutwe. Aleluya. C'est quoi ce silence d'une demi-heure dans le ciel? Frère Branham a dit que c'était le changement
du lieu d'adoration. Les trônes a quitté le ciel, changement de fréquence. Les prophètes de l'Ancien du Nouveau Testament et les messagers avaient tellement hâte de voir la divinité de notre Seigneur Jésus déversée dans un homme, un prophète comme eux. Et un glorieux matin, ils ont regardé au trône. Le trône était vide, Dieu était sur la terre. Car la seule chose qui retardait Dieu au ciel, c'était la septième étoile dans la main du Dieu vivant. Quand Dieu a lancé sa dernière cartouche, lui-même est descendu, caché dans sa cartouche. Quand un pentecôtiste regarde, il dit, moi je vois un homme. Oui, il a raison, car là il y a un homme. Quand un adorateur vient, il dit, moi je vois Dieu. Oui, il a raison, car là il y a Dieu. Mais attention, c'est question de discernement. Branham n'est pas Dieu, mais il a voilé Dieu. Et quand l'épouse regarde, elle voit Dieu dans la chair. C'est ça, Muntu Zambi, Zambi Munda Mwa Muntu. Et quand Branham parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand Branham prêche, c'est Dieu lui-même qui prêche. Dieu en William Branham est rentré en Genèse 1. Que l'écureuil soit et l'écureuil est pu. Oh la divinité, oh, du Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, du Seigneur Jésus est dans un homme. À toucher son vêtement, moi je serai guéri. Et quand